Et j'arrive tout de suite les amis, contemplez ce nouvel accueil, faites-vous plaisir, regardez-moi ça comment c'est beau, j'arrive les amis dans 3 minutes. Et salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Regardez-moi cet overlay. Comment vous le trouvez? Il est un peu chelou, bizarrement. Il est vraiment un peu chelou. Il y a un petit problème au niveau du follow, je crois, mais bon, mis à part ça, ça va.
Voilà. Comment vas-tu, Untek? J'espère que tu vas bien. Voilà, je vais hop. Il est verrouillé, au moins je suis sûr de pas faire de bêtises. C'est Yajin, salut, comment vas-tu? Il est joli, hein? Il est joli. Allez, courage, ferme ton petit cloud. Comment ça va ce soir? Comment vous allez? Nous, on m'a parlé en MP, je sais pas qui c'est. Allez, on va aller en U9, on va aller chercher les quêtes des donjons 5 étoiles, puis on va faire ça tranquillement, puis on va faire du flux. Tranquillement, tranquillement. Tu vas Delph ce soir? Non, pas ce soir. Pourquoi tu voudrais que je fasse des Delph ce soir, Seiya? Seiya Jin. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as acquis des la Delph? Bah non, bon, je ne pense pas, peut-être, je verrai. Pour le moment, non, je vais déjà faire un donjon 5 étoiles, après on verra ce qu'on fera. Voilà, il y a deux élites là, c'est bien ça. D'accord, et tu as un truc complètement à l'opposé et il fait ton rester là, comme d'habitude. Moi, je suis bien content en tout cas avec ce nouvel overlay. Bah, ça lag un peu moins, ça prend un peu moins mon CPU. Je suis content. Mon CPU tire un peu moins la gueule et j'ai plus de ralentissement. Ça m'inquiète un petit peu ces ralentissements. Je pensais même à reset mon Windows. Même s'il faudrait que je le fasse, mais pas pour tout de suite. Alors ce midi, j'ai lancé un stream, je faisais des tests et je faisais mon nouvel overlay. Il y a eu je ne sais combien de monde qui sont arrivés. Et là ce soir, ils ont dit ouais, tu seras là vers quelle heure? J'ai dit 10h, 10h30, et y'a personne. C'est honteux. C'est quoi ces gens? Bon, après, c'est pas grave, vous êtes là, vous, c'est le principal. D'ailleurs, quoi de neuf, Seiya? Cette reprise de Trove, elle se passe bien. Après, je pourrais te poser la même question, Untek, mais bon, je pense que je connais déjà la réponse. On était juste en local juste avant. En tout cas, si vous venez d'arriver, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à discuter, à poser des questions ou même encore pause, ça fait toujours plaisir. Demain, tu stream sur Trove. Bah, nickel ça. Ça, c'est une bonne initiative ça. Je pensais que j'avais plus le patron, pendant une seconde je fais oula. J'ai vu que j'avais pas beaucoup de. J'ai fait tous mes livres cette semaine, attends, j'ai un doute. Ah si, c'est bon. J'avais un doute quand même. De toute façon, ici on peut avoir au maximum du C2, donc bon.
Qu'est-ce qu'il veut, Choucre? Ah, j'ai mon épaule qui me fait mal, c'est horrible. Je la sollicite pas là pourtant, hein, mais ça me tire. Yes, un star qui tombe juste devant moi, c'est cool ça. Et du coup, tu vas faire quoi au stream demain? Du coup, tu vas farmer quoi? C'est bon, t'as plein de trucs à faire, je pense. Parce que je pense que si tu pars au volcanique, je pense qu'il y a des gens qui pourraient venir avec toi, je pense. Je vais délaître chaque perso. Tu vas délaître chaque perso? Comment ça? Tu vas supprimer tout le stuff de chaque perso et tu vas tout refaire. Ouais, on peut pas. Tu repars à zéro. Oh putain. Ouais, chou. Même moi, j'ai pas l'appréhension de vouloir repartir à zéro sur toi. C'est beaucoup d'investissement, beaucoup d'argent aussi, puisque bon, j'ai enfin le badge des 1000 dollars, donc c'est que j'ai mis 1000 balles dedans. Depuis tout ce temps. Ok. Oh non, je le sens bien, je le sens bien. J'essaierai de pas venir sur ton stream parce que en général si je viens sur ton stream on me parle plus à moi qu'au streamer, donc c'est pas terrible. Donc je te laisserai tranquille. J'aime pas ça parce que bah, c'est ma notoriété si tu veux et sur Trov. Et c'est assez chiant des fois. Ah oui, je peux venir en cacher mais je parlerai pas quoi, c'est ça que je veux t'aider. De toute façon demain moi je peux pas streamer, je serai sur mon téléphone sûrement au moment où je sais pas après ce que je fais de ma soirée. La séance de ciné elle est à 19h30. Je sais pas. Je sais pas si je serai déjà de retour chez moi ou pas à 21h. Mais j'essaierai de passer même sur le téléphone hein. Ça se fait, hein. C'est toi qui vois, c'est toi qui vois. Après l'après-midi, je serai pas vraiment là non plus, hein, parce que demain, bon, je vais sûrement me lever vers 11h. Dans l'après-midi, je dois aller voir mon ami. Je dois lui ramener des bières. Je vais sûrement rester un petit peu. Ouais, non, j'aurai pas trop le temps. Mais je pourrais te regarder vite fait sur le téléphone. Dans tous les cas, j'aurai l'alerte, donc. Ou tu m'envoies un petit message avant, en cas où. Ah oui, bien sûr, moi aussi, hein. Si j'ai pas envie, voilà. Ce midi, j'avais envie parce que je faisais des tests et tout. Mais si j'aurais voulu couper et pas faire un. J'ai streamé quand même une heure en faisant des bricoles. Et malgré que je faisais ça, j'ai répondu à quelques questions. Ça m'a permis d'avoir 300 bits. Ça m'a permis d'avoir des follows. Ouais, j'ai eu 3-4 follows, hein, sans voir de rien. Et 3€. Alors que j'étais en train de régler la chaîne ce midi. Salut Flavel!
Comment va ma petite eau de Javel? Comment va le ref? Bah nickel! Alors quoi de beau? Moi j'ai soif par contre. Je vais boire ma pisse. Bah ça va. Tranquillement, on fait aller. Là ça va, c'est des bonnes journées en ce moment. C'est des bonnes journées. Un peu longue, mais sinon ça va. Parce que faire du flux que pour faire du flux, surtout à l'ancienne, quoi. C'est bon, quoi. Heureusement que je vois un petit peu pour accélérer un petit peu le mouvement. Mais bon, j'ai peur que d'ici 2 à 3 semaines on ait la mage. Parce que ça sent la mage à plein nez. Hein. Je sais pas s'il y a encore eu des mouvements sur le PTS. Mais bon, je suis bien content qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait là. Hein. Casualiser carrément les bannières, tout ça, ça va être assez bien. Dans 3 semaines, oui, je me doute aussi. J'ai demandé à Maliena et elle a resté assez vague là-dessus, mais elle m'a quand même dit elle m'a dit ça sera pas un mois. Voilà, c'est ça sa réponse. Donc c'est 1 à 3 semaines. Donc c'est pas vraiment une réponse en soi, mais c'en est une quand même. Ah, elle est forte pour ça, elle est forte. Merde, j'ai plus mes popos. Mes popos. Oh non, je suis en haut. J'aime pas les maps quand on est en haut, putain. Sky, re. Comment va, Sky? Cette fois-ci, c'est un bon stream, Sky. Ah! On fait plus de tests. En vrai, je refais du flux uniquement pour remettre du flux de côté. C'est même pas pour acheter quelque chose, on a acheté le trône là. On a tout acheté, on n'a plus rien à acheter. À la limite, les prochaines choses à acheter après la mage, ce sera peut-être la monture, les deux alliés. Bon, les deux alliés ou 4 alliés? 4 alliés. Dans une nouvelle boîte. Voilà, Choucre, comment va? Et moi, Choucre, c'était quoi cette apparition furtive tout à l'heure sur le Discord? Lequel quoi, Sky? Excuse-moi, je parle de tellement de choses que j'ai dû oublier de ce que je disais. Bah écoute, ça va aujourd'hui, ça va. Un peu mieux qu'hier et certainement mieux que demain. Le trône. Le trône dans le biome fée des Delves. Il coûtait 19 millions. Mais il y a une réduc à 15 millions et j'ai sauté dessus. Donc c'est pour ça que j'ai débloqué du flux de côté, que je suis en train de renflouer, parce qu'on l'a acheté tout simplement. Bah, j'ai déboursé 38 millions, en tout et pour tout. D'accord, bon bah... Lâche-moi bien telle une belle chaussette. De toute façon, je fais du flux. Hein. Principalement, je fais du flux. On fera peut-être un peu de delve tout à l'heure, mais on fait principalement du flux. Donc, je crois que la question se pose plus vraiment sur ce que je fais. Tu vois.
À moins qu'il y ait une mage assez importante et je dois refarmer énormément. Ça fait cher le train. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, après, Luna Eclipsia, je l'avais acheté à 30 millions, hein, donc il y a des montures bien plus chères. Bon, c'est sûr que j'aurais pu attendre un peu que ça soit moins cher, mais. J'avais que ça à acheter à l'époque, alors bon. Par contre, je répète, l'overlay est incroyable, sérieux. J'ai toujours pas touché à la webcam, je sais pas si je la rectifie un petit peu, mais le problème c'est que j'aimerais cacher le chat. Je veux vraiment cacher le chat sur ce jeu parce que j'ai pas envie que les gens puissent lire, hein, tout simplement. Ça c'est sur tous les MMO, en général je cache le chat parce que bah, si en interclub ils discutent, ça va pas être diffusé sur un stream. Ça n'a pas lieu d'être quoi. Je pensais que tu nous aimais pas, mais bien sûr que si je vous aime, là là. Ah non, tu parles de choucre. Peut-être. Oh, c'est juste qu'il préfère aller avec Légende. C'est deux bons amis, Légende et lui. Ah, Légende est un autre streamer, assez sympathique. Mais je sais pas, je suis pas plus fan que ça, c'est pas ma dynamique, je sais pas, voilà, c'est les goûts et les couleurs, hein. on peut pas plaire à tout le monde et voilà. Vous êtes bloqué en 1080p, est-ce que ça c'est vrai ça? J'ai pas vérifié, le seul jour où je vérifie pas, ouf. Aïe. Bon, je m'occupe de ça. Je reviens tout de suite. Ça, c'est vraiment un problème. J'espère que ça va pas trop être dérangeant. Je peux pas le faire en stream à tous les coups. Hein. Non, je peux pas le faire en stream. Je suis obligé de. Bon, bah, je vais devoir fusionner pour le mettre sur YouTube. Ça va être trop bien. Peace, à tout de suite. On va essayer de tomber sur un bon serveur, on arrive, à tout de suite. Désolé, c'est un oubli de ma part, j'ai voulu partir trop vite aujourd'hui, j'ai pas fait attention alors que d'habitude c'est la première chose que je fais attention. C'est de ma faute. À tout de suite. Bon, ça va, en un seul essai, on est directement dessus, donc ça va être nickel pour recoller les morceaux. Waouh, voilà. J'ai voulu faire la DBZ là. Voilà. Super Saiyan. Ah voilà. Soyez les bienvenus. N'hésitez pas à discuter, à poser des questions ou même encore à follow. Ça fait toujours plaisir. Merci Black, en tout cas, c'est quelque chose que je vais pas. Si vous, à l'avenir, vous voyez qu'il y a que le 1080p, il faut me le dire parce que ça, c'est un oubli de ma part. Merci chéri P pour love. Ah. Mais de rien. Pour ceux qui étaient en fibre, c'était pas un problème, mais bon. Donc re à tout le monde, reparlez dans le chat là, pour faire apparaître votre petit avatar en bas de l'écran. On va faire un petit battle royale. Est-ce qu'il y a un modo de présent ou pas? Oh, c'est rigolo ça. T'es VIP, Untek, t'es pas modo.
Là, je suis assez dégoûté qu'il va avoir un cut du coup. Mais bon, c'est de ma faute. Hein. Je suis un débutant des fois. Des fois, on fait des erreurs de débutant comme ça. Bah là, elle sera en deux parties. Donc il va falloir que je la recolle avant de la mettre sur YouTube. Alors, il va falloir que je télécharge et que je recolle et que j'envoie sur YouTube. En soi, ça va être rapide. Mais c'est du travail supplémentaire que je ne fais pas d'habitude. J'envoie directement sur YouTube grâce à la plateforme Twitch. En fait, sur Twitch, il y a un bouton réhéberger en fait. Donc du coup, ça l'envoie directement sur ma chaîne YouTube. Voilà, directement. J'ai pas besoin de travailler dessus, j'ai pas besoin de quoi que ce soit, ça l'envoie directement. Et moi c'est très bien puisque j'utilise ça pour, comme archive en fait au final. Voilà. J'aime pas trop retravailler mes vidéos, j'aime bien quand c'est abrupt comme ça. J'aime le direct en fait. Le tuto par contre ça a été autre chose, j'ai fait plein de cuts, j'ai fait plein de vidéos pour pouvoir faire une vidéo sur les gemmes. Assez bien. Sinon Black, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que tu deviens du coup? Toujours motoman? Ouvre la bouche. Ah. Ça va, ça va pas trop aujourd'hui. J'ai fini le donjon et je vais voir s'ils ont fait quelque chose sur le PTS. La dernière fois c'était le 25. Et ils vont casualiser les bannières les amis. En fait, on aura un loot supplémentaire à avoir dans les delves chaque semaine. On aura 5 boîtes du coup, ou 6 dans 6 boîtes. 6 fois 5 boîtes dans lesquelles on pourra avoir de la free range ou de la électrolytique. Et étant donné qu'il en faut pour les bannières, ça va aider un peu. Et dans ces boîtes là, il y a 4 allies et une monture. Tradable. Donc je me pose là. Hop, on va aller voir ça vite fait. Alors Trove Forum. Est-ce qu'il y a de la nouveauté? Moi je dis dans 3 semaines. Hein. La mage. Ouh, il y a un truc aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pas fait grand chose. Ils ont pas fait grand chose. Il y a vraiment pas grand chose. Les chances des créatures du passage subnautique ont des chances de laisser tomber des caches cristallines resplendissantes légèrement augmentées. Bah, c'est justement les nouvelles boîtes dont je vous parlais. Parce que les mobs en subnautique peuvent faire tomber les boîtes aussi. Et puis bon voilà, c'est tout. Ouais, ça commence à être vraiment vraiment léger. 3 semaines, ça me paraît peut-être large. Je dirais peut-être la semaine prochaine, personnellement. Mais vu qu'ils doivent rework le Lunar Lancer, ça va prendre peut-être un peu plus de temps. Ouais, on va tous rejouer le Lunar Lancer, tu vas voir. Ouais, je fais un petit battle royale, c'est parti. Que le meilleur gagne. Mais tu vas te calmer le jeu là. Pas ce que je voulais faire, mais je l'ai fait, tant pis. Parce que si je le fais trop souvent, il y a quelqu'un qui va gueuler.
sais pas si maman elle est encore là, mais... T'inquiète pas qu'elle gueule quand elle est pas contente. GG Black. Allez, on va refaire un, c'est parti. Bon, je fais ce donjon là et puis je vais me faire un thé à la menthe ou un truc du genre. Ça c'est calme pour un vendredi, j'ai l'impression. Je joue une tech. Je joue à toi. Mais hop. Ah c'est vrai, on est en haut, putain, je vois pas ça. Peut-être aller dans un nouveau world. Bah on peut pas gagner tout le temps hein, mon cher. On peut pas gagner tout le temps non plus. Allez, je me pose là et je fais ma petite boisson. Voilà. J'aurais déjà dû le faire depuis le commencement du stream, mais j'ai pas pris le temps. Et puis on va se mettre à l'aise aussi là parce que j'ai un peu trop chaud. Tiens, on va faire un hibiscus. On va bander sec ce soir. On va bander sec, je vous le dis moi. En tout cas, si vous venez d'arriver, soyez les bienvenus, n'hésitez pas à discuter, à poser des questions, même encore follow, ça fait toujours plaisir. On est là au moins jusqu'à minuit, minuit et demi. Minuit et demi plus, je dirais. Enfin, si vous êtes motivé, après, si vous n'êtes pas motivé, on peut faire juste 11h. Allez hop, dans une demi-heure, même pas, on arrête. Non, je rigole. Allez hop, on met l'eau chaude là-dedans. Hop, hibiscus ce soir. Ça fait un petit moment que j'ai pas bu d'hibiscus. Je tiendrai pas, lol. Ah. Bon, après, c'est pas grave, hein. Pas grave, hein.
m'est déjà arrivé de tenir tout seul toute la soirée, voire même toute la nuit. Hein. T'inquiète. Quel boulet que je fais. Et on est en bas. Ouah, on reste ici. On bouge plus. Ah, je bouge plus. Ah, je bouge plus. De nouveau là le lorti. Ah bah oui, cette fois c'est pas un test Léo. Même si j'aurais rien contre 3 euros supplémentaires. Non, je déconne. Le mec, il est même pas encore arrivé depuis 10 secondes. Il réclame déjà un autre tour. Oh là, je suis désolé. C'est l'appât du gain, tu sais comment c'est. Hein. Vous allez bien ou quoi? Bah, moi, je vais bien, les gens. Comment allez-vous, les gens? Léo, il demande. J'aimerais bien qu'il y ait un petit follow là pour faire écouter à Untech là. Sinon on fait un faux follow. Hein. Juste pour tester là. Quoi sur le jeu bientôt là prochainement la casualisation des bannières, des mementos, les anneaux de classe et le rework du Lunar Lancer. Donc ça fait déjà pas mal de choses. C'est pas énormément de gros contenu en soi, mais c'est beaucoup de changements. Donc il y a des classes qui se rejoueront peut-être. Les anneaux de classe, oui, t'as bien entendu. Donc c'est des anneaux qui ajoutent des effets. Ça met de la vie, tu joues le LL. Bon, on verra ce qui... C'est là qu'il faut complètement péter et tu verras. Bah, ça sera à mettre à la place d'un anneau. Bon, pour le moment, sur le PTS, ils sont moisis parce qu'il n'y a pas de stats. Mais par exemple, l'anneau du Neon Ninja sans trop te spoiler, du coup, je vais te faire que le Neon Ninja. Actuellement, pour avoir le Shuriken, il faut trapper 3 fois, Léo. On est lecteur là-dessus. Bah, une fois que tu as l'anneau de classe sur le PTS, tu fais ça, t'es chargé. Tu peux directement faire ça. Tu peux faire directement ça. Tu peux faire directement ça. Et en plus de ça, quand tu utilises ton ulti, tu voles, enfin, tu planes à la Gunslinger un peu. Plane un peu la Gunslinger et il dure plus longtemps un peu. Je permets on sait pas du tout comment obtenir les anneaux de classe pour le moment. Je sais pas du tout. Sur le PTS, ils nous les donnent directement. Donc pour le moment, on n'a pas de. Pour le moment, on ne sait pas encore vraiment comment ça va se passer. Mais il faudra certainement de la nitro ou ce genre de choses de compo. La nitro va augmenter encore, on est sûr. On ira peut-être pour la première fois de notre vie en mardi et faire un grand attrain. Il te manque 10 points. Il te manque 3 minutes. 6 minutes.
Mais en vrai, des jeux Geode Run, c'est plus drôle. Oh, j'y ai pas, on verra, mais. Mais j'ai jamais fait de Geode Run, perso. Geode, si je pouvais éviter d'y retourner, ça m'arrangerait en fait. Salut Médoc, justement je me disais à quel moment t'allais arriver. Parce que ce midi, ouais on sera là ce soir, machin, et puis j'ai commencé le stream, il y avait personne. En tout cas, pour ceux qui viennent d'arriver, soyez les bienvenus, n'hésitez pas à discuter, à poser des questions, ou même encore un follow, ça fait toujours plaisir. Et si jamais il n'y a pas de follow avant que tu partes, Untech, je ferai un faux follow pour que tu puisses voir l'alerte. J'aime beaucoup le son. Bah écoute, ça va, ça va. Bizarrement, je commence à avoir un petit coup de barre, c'est pour ça que j'ai fait un petit hibiscus. Follow, je te follow. Bah merde. C'était pas un boss. Comment ça, ça marche pas? Clique bien sur le skin, hein. Tu viens d'acheter quoi? Le truc à 1000 ou le truc à 750, Untech? Bah si je te vois c'est bon. Faut juste qu'il y a un il y a une latence. Moi je le vois hein. Regarde, il est avec son épée là, il la frotte sur le sol. Allez, pour fêter ça, on va faire un petit battle royale, on va voir s'il est fort ce. C'est parce que 1000 tu débloques le perso. Après, il faut 750 pour débloquer le skin, sinon t'es invisible. Mais au moins, t'es déjà plus de merde si t'es invisible. C'est que t'arrives bientôt dans le game. Flemme. Flemme de quoi? Je découpe des merdes. C'est trop ça. Et en vrai, son animation, elle est stylée d'attaque. Oh, tu t'es fait niquer par Bomberman! Ah non, on va pas se faire niquer par une merde quand même. Putain! On s'est fait niquer par une merde! Faut rester une merde en fait. Mais merde! Vas-y, je vais te bannir là. Tu sers à rien là. Vive les merdes. Allez hop. Ban dev. T'as qu'à pas me tuer. Non, je déconne. T'imagines, t'as des gars qui réagissent vraiment comme ça. Pour un jeu de random en plus. Oh merde, j'ai pas pris la quête, j'ai pas pris la quête, j'ai pas pris la quête.
La quête! Il était beau celui-là. Il était beau, il fallait le clipper celui-là, j'en ferai plus jamais des comme ça. Vas-y, il a sa moto là! Mais je finis le donjon 5 étoiles et je fais un petit follow pour montrer Untech. Moi je dis, je suis à 12 000 rangs de pouvoir. Je fais comment pour monter maintenant? T'as 12 000 et tu sais pas comment monter à 12 000? T'abuses là. Mais Doc, je suis sûr que tu peux réfléchir. Réfléchir un peu. Franchement, il n'y a pas de blocage à 12 000. Donc franchement, réfléchis un peu. Dis-moi des... Fais des propositions de ce qui pourrait te permettre d'avancer là, parce que j'ai limite envie de t'insulter, Médoc. Pourtant, je le fais jamais, hein. Mais là, 12 000... Bah déjà, principalement les gemmes en stellaire et après 100%, effectivement, ça monte beaucoup. Il y a quand même 24 000 rangs de pouvoir uniquement avec les gemmes, donc oui. Mais après, il y a tous les dragons à faire en parallèle. À chaque dragon que tu fais, c'est 30 de rang de pouvoir à chaque fois. Le stuff qui donne un petit peu aussi. La perma, la torche perma te donne aussi. Mais bon, ça, ça fait après. Et le mastery. Hein. Le mastery qui donne aussi, évidemment. Donc, ça fait quand même pas mal. Vous avez vu le clip que j'ai fait sur l'ortie? Je suis pas sûr qu'il l'ait vu. Mais voilà. Tu vois là, je peux aller sur internet. Mon OBS, il est pas en chaleur, tu vois. En temps normal, j'ouvrais une page internet, je ramais, mon PC ramait et ça disait comme quoi j'avais un problème d'encodage. Et ça n'arrive plus. Je sais pas c'est quoi qui faisait un problème d'encodage, mais voilà. Alerte box. Alors voilà, regarde bien du coup, Untech, voici à quoi ressemble un follow. Voilà. Oui. De toute beauté. Ah, je suis assez content de cet overlay en tout cas. On va le garder un petit moment, je pense. Il est sobre, il est simple, purifié. Bon, c'est sûr que c'est pas un truc unique, mais au moins c'est propre. Et j'aime quand c'est propre. Merci pour les 300 bits, merci beaucoup Black, ça fait plaisir. On aurait eu 600 bits aujourd'hui, merci beaucoup. On est loin encore de la bataille qu'on a eue de bits, hein. C'était quand il y a 3 ans déjà, Léo. Mémorable cet après-midi là, mémorable. Pourquoi tu dois faire des fouilles? Tu dis que tu dois faire tes gemmes et tu vas aller en fouille, Médoc. Tu m'expliques? En fouille, hein. Mais je rigole encore. Bon, le petit hibiscus. Oula, j'ai craqué. Ah, je l'ai craqué, il y en a partout.
Ah non, j'en ai foutu partout. Oh non, zut. Oh. Oh merde, j'en ai partout sur les doigts. Clipez pas ça, c'est dégueulasse. Je peux pas les faire tout seul, mais j'aime, faudrait que quelqu'un me carie du neuf. Pourquoi t'as pas. T'as du quoi là? T'as du radiant comme j'aime, Médoc. T'es full radiant en tristate? Essaye de trouver du full radiant tristate hein, sur les gemmes élémentaires. Et t'y arrives pas à faire du neuf? T'es level 30, Médoc? Je sais pas pourquoi, mais je crois qu'il y a une douille quelque part. Et voilà! Elle est là la douille! Tu n'es pas encore 30, tu n'as pas toutes tes gemmes. Elle est là la douille, Médoc. Elle est là la douille, tu veux aller trop vite. Monte level 30 pour que tu aies tous les emplacements de gemmes. Elle est là la douille. C'est que c'est normal que t'as pas assez de dégâts pour du U9. Si t'as, il te manque des gemmes. C'est trop long. Non. Non, 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 Médoc. Arrête. Je vais devenir violent et je vais sortir ma bite. Tu veux vraiment que je la sors? Tu veux vraiment? Non, sors pas ton sabre. Non, en fait, avant c'était beaucoup plus dur parce qu'il fallait le taux. En fait, avant le level, par exemple level 1, 2, level 3, il fallait le level 1 plus 2 pour être à 3 en XP, hein. Donc t'imagines, une fois que t'étais à 29 pour aller à 30, il fallait 29 levels d'avant pour être 30. C'était ça le système d'XP au début. Et j'ai fait ça à peu près sur 5-6 persos, moi. Alors maintenant, alors qu'ils ont descendu à 2 millions ou 3 millions, je crois, pour la totalité de l'XP, c'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant. Moi-même, j'utilise même pas de potions. Je mets tous les persos en speed farm. Et au moins, on se fait pas chier. Je suis à 36 215. Bah, c'est pas mal, ça, Black. C'est pas mal. Désolé, Rebeu, je ne réponds pas aux gens qui ne saluent pas l'assistance. Désolé. Bon, soit. Vous voulez vraiment être banni? Mais Black, tu veux vraiment. Arrête, Black! Arrête, Black! Black, arrête de niquer tous tes points! T'aurais pu les transformer en Lortigold en plus. Bon. Tu sais que toi, je te kiffe en vrai, breton des terres. Tu me donnes le sourire. Bah, y a pas de problème, hein. Moi, je fais de mon mieux, mais il faut que je bannisse combien de fois, du coup, Black? Je vais te bannir qu'une fois, parce qu'avec tout ce que t'as utilisé là, voilà quoi. Ouais, hop. Et je dois bannir qui aussi? Rebeu. C'est quand même 10 minutes, hein, les mecs. Hein. Les mecs, ils payent pour ça, de toute façon. Je sais où tu habites. Bah, viens, viens, tu dois me montrer comment tu montes sur une moto, là. Tu dois faire mon baptême de la moto. Vous avez payé pour ça, les mecs. Hein. Moi, je fais que. Qu'appliquer ce que vous avez payé. Hein. Voilà, arrête de me spammer, par contre, Black. Bon, je vais dodo, je te dis à demain poulet. Ok, bonne nuit à toi, bonne nuit. En tout cas, soyez les bienvenus, n'hésitez pas à discuter, à poser des questions, même encore poulot, ça fait toujours plaisir.
N'oubliez pas aussi de saluer avant de poser des questions ou même avant de parler, hein, je suis pas un wiki parlant. Le respect avant tout, s'il vous plaît, mes chers compatriotes. Mes chers cons. Tu taffes dans quoi? Actuellement, je taffe plus, mais en temps normal, je taffe dans l'informatique. Et la prochaine fois, je ne répondrai pas à Proton. Il ne semble pas que tu m'aies salué. C'est pas gentil, ça. Ben, relis. Ah, bah, peut-être. Attends, je veux bien. Donc, je peux être en tort. Attention. Avec tous ces gars qui voulaient se faire bannir, le chat, j'arrive plus à le lire. C'est tout des trucs gris, moi. Donc, attends. Je veux bien reconnaître mes torts, si les torts sont là, excuse-moi. Alors, et puis si t'étais de la même couleur, alors breton. Coucou mon pote, ah oui. Bah désolé, c'est de ma faute. Tout le monde a voulu se faire bannir en même moment, donc je m'excuse. Sors ta bite. Voilà, c'est bon. Je suis excusé, c'est bon. Désolé. Ça arrive. Je suis pas sur Rome non plus. Je préfère dire ça parce que juste avant, il me semble que par contre l'autre personne, là le rebeu, lui par contre, j'ai relu, il a pas salué. Et j'aime pas ça parce que du coup, voilà, j'ai l'impression vraiment de d'irrespect en fait, si tu veux quelque part. C'est personnel, hein, c'est sûr que je suis peut-être vieux jeu avec ça, mais c'est maladif chez moi, c'est vraiment maladif. Je veux dire que c'est la seule chose qui peut vraiment me faire sortir de mes gonds, c'est de pas me saluer. Limite, tu fais ce que tu veux à côté, tu m'insultes, tu fais tout ce que tu veux, ça me dérange pas, mais ça, j'aime pas. T'étais pas en dépression à quelque... Je le suis toujours, Breton. Je le suis toujours, Breton. J'ai commencé un nouveau traitement, thérapeutique pour ma pathologie, tout en me faisant guérir aussi de mon épaule et de ma cheville. Donc je fais les soins en ce moment. Tu déprimes à cause du taf? Non, je déprime pas à cause du taf. Je déprime à cause d'une énorme rupture amoureuse après quasiment 7 ans de couple. Non, c'est pas bon, c'est pas le travail. Non. Pour le moment, on peut pas vraiment parler de travail puisque je ne peux pas, donc... C'est pas contre moi ou que j'ai pas envie, c'est que c'est compliqué. Et là, prochainement, je passe au lithium, ça y est. Ça sera peut-être un traitement plus adapté pour moi. Logiquement, je passe bientôt au lithium. Enfin, j'aurai peut-être une vie plus ou moins normale, si on peut dire ça comme ça. Ça n'existe pas la normalité hein, pour moi, mais... Mais tant que je suis sur le PC, vous ne voyez pas vraiment la gêne ou le personnage que je suis. C'est vraiment quand je suis dans la vie active ou ce genre de choses. Je suis un peu plus fragile. Tant que je suis dans mon élément, c'est-à-dire le stream, le jeu, tout ça, vous voyez pas tout ça. Vous le voyez pas. C'est plus compliqué et puis c'est surtout dans la tête. J'ai pas voulu être comme ça. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais il faut que tu changes, faut que tu deviennes plus dur dans la tête. Non, l'hypersensibilité maniaco-bipolaire dépressif, c'est dans la tête. C'est un état d'esprit, un état d'être. Bah tu ne peux pas changer. Donc du coup bah, j'ai un traitement.
Voilà pourquoi. Bon, on va peut-être arrêter de parler de ça. On n'est pas là pour parler de moi quand même. Si, on est là pour parler de moi. Donc ma bite, elle fait 18,4 cm. Voilà. Ouais, moi aussi j'ai déprimé quand mon copain m'a quitté. J'ai appris le lendemain de soirée qu'il avait pépon mon meilleur pote. Breton des terres, t'es gay? Moi je risque pas de pépon quiconque, j'aime pas pomper. Qu'on me pompe aussi, je suis pas trop fan. Moi je suis assez précaire, voilà, moi je. Je suis plutôt dans les choses banales. Tu m'excites toi aussi en plus, c'est pour ça que je suis là. Hein? D'accord. Super. Tu veux me pépon? Ah non, pas comme ça. Je suis pas. De toute façon, je suis pas pour plan. J'aime pas les plans. Moi, je suis assez vieux jeu. Tu viens boire un café, on discute énormément et après c'est au feeling. Mais pas comme ça. Mais... Ouais, mais je vois le truc qui t'est arrivé. Et ça a pas l'air d'être terrible non plus, quoi. Et puis la dépression, c'est jamais bon. Et je le souhaite à personne de déprimer un jour. Je suis de Belgique aussi en plus. Ah ouais, je suis même pas 2h30 de route quoi, ça serait à peu près 2h30, 3h de route. C'est faisable. Je suis en dessous du Luxembourg, donc la Belgique ça me connaît. Et les Belges, bah je connais aussi puisque je suis moi-même flamand. Ouais. Donc, et désolé pour cette imitation du vieux belge, mais. Ah pourquoi je l'ai refait? C'est dès que je dis belge, hein. Ah, dès que je dis belge, c'est je le dis de manière c'est bizarre ça. Je viens de m'en rendre compte en fait. C'est automatique. Non mais c'est pas comme les antibiotiques, hein. C'est pas automatique non plus. Belge, mais belge, belge. Oh c'est ouf. C'est ouf. Je sens qu'il y a l'accent qui revient. T'as fait une faute dans ton message, pas ouf ça. Manque de professionnel. J'ai jamais été professionnel breton. C'est toi qui es déterre, pas moi. Moi je suis ni français, je suis pas du tout amoureux de la langue française et encore moins de la langue anglaise. Si je pouvais parler en SMS, je le ferais. Ah merde. Ah, et faut pas spammer comme ça là, qu'est-ce qui t'arrive? Bah dis-moi où elle est l'erreur. Elle est où l'erreur? L'erreur est humaine. Le remboursement c'est maintenant. Le remboursement c'est maintenant. Dans mon message. Je sais pas où j'ai fait l'erreur, hein. Peut-être dans le titre ou je ne sais pas. Je ne sais pas, mais... On a fini les donjons. 5 étoiles, 5 étoiles. T'étais que banni 5 secondes, hein, ça va, hein, tu peux reparler, Breton. Et excuse-moi pour ce petit problème. Mais faut éviter de spam les émotes, essayer de pas spam les mots, les lettres, les majuscules. Bah tout ce qui spam en fait. Oh pardon. Enfin, celui-là était pas contrôlé. J'ai vraiment beaucoup mangé aujourd'hui. Et c'est pas terrible. Mais en fait, j'ai mangé déjà tard. J'ai mangé quasiment, il était 15h. Et je vais oublier. Mais j'ai été invité à manger Burger King chez ma meilleure amie aujourd'hui. Et elle a voulu manger tôt parce qu'elle avait déjeuné très tôt. Donc on s'est retrouvé à dîner à 19h. Merci pour les 200 bits, ça fait plaisir. Merci Black. Et donc du coup, bah, je me suis retrouvé quasiment à bouffer... surbouffer quoi. Bouffer surbouffer. À part prof, tu joues à quoi? Bah hier, on a joué à Super Smash Bros sur Switch. Breton.
J'ai 200 coups de bite à te donner, Lord Game. C'est qui, Rebeu? Rebeu, s'il te plaît, avant que je lise tes conneries, dis bonjour au moins. Dis bonjour. Elle monte là. Tu dois gagner 3€ sur ces bits. Ouais, mais bon, il faut monter jusqu'à 100$ du coup pour pouvoir débloquer les bits et les subs de Twitch. Faut le savoir, ça. Je suis belge. Ah, mais ça me saoule! Je suis belge. Voilà, belge. Mais il faut vraiment que je me tienne sérieux, sinon l'accent revient tout de suite. Alors vous connaissez Rebeu et Breton. Ça marche pas avec moi, ça. Je suis sûr que vous connaissez. Je suis sûr que vous êtes dans la même pièce. J'en suis sûr. C'est ton copain. C'est ton copain, le Rebeu, le Breton. Tu vois le pépon. C'est la même personne. Je suis son meilleur pote. Son mec m'a sucé. Ouais, c'est ce qu'il disait, ouais, c'est bien ce qu'il me disait. Et toi, tu t'es laissé faire alors que c'était le mec de ton pote. Tu t'es pas dit non, il faudrait pas que je lui ai pardonné. Eh ben dis donc. Et y'avait pas un dicton qu'on disait sucer, c'est pas tromper. Ah bon, non, ça marche pas, moi, ça. Hein. Bon bah du coup, vous êtes tous les deux gays ou j'en sais rien, mais... Faut que tu regardes pas dans les yeux. Ah non, 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 ça c'est... Ça, dans les yeux ou pas dans les yeux, c'est la même. Hein. Non, 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 non. C'est quoi encore? Il a juste dépanné, quoi. Il a dépanné quoi, putain? C'est du foutage de gueule, les gars. Tu dépannes que dalle, là. Putain, mais s'il veut se faire pépon, il achète un masturbateur ou une pompe, là. J'en sais rien, là. Ça existe des objets pour ça. Tu vas pas voir le meilleur pote de ton mec pour te faire pépon. Les masturbateurs, je sais pas, t'en as à 15-16€, je pense, de base. Je suis pas spécialiste, je m'en ai même pas moi-même. Je songeais en acheter un pendant un moment, mais je l'ai pas fait. Bon, il y en a pour tous les prix maintenant. Après, faut voir ce que ça vaut, mais... Comment on level up? Bah en restant sur la chaîne. GG à toi Médoc d'ailleurs, level 13. Perso j'ai ma fidèle mère. Oui bah après la main marche aussi Médoc. En tout cas si vous venez d'arriver soyez les bienvenus, n'hésitez pas à discuter, à poser des questions même encore à follow, ça fait toujours plaisir. Ce chat pue la bite. Ce chat pue la bite. D'accord. Bah t'es pas obligé de rester Breton, si tu te fais chier, tu peux te les libre te casser tout simplement. J'ai le mec de Breton. Quoi? J'ai perdu tous mes flux. Mais c'est pas t'as perdu tous tes flux. T'as gagné en stats et en beau rank en plus. Et pas ça. Et en trouvailles magiques aussi t'as gagné. Il fallait bien que tu le fasses à un moment donné. Toi t'as dépensé 1 million Médoc. Moi dis-toi que récemment j'ai dépensé 36 millions. J'ai dépensé 35 fois plus que toi. Donc si tu pleures pour 1 million ça va être quoi quand tu vas devoir acheter des trucs à 4-5 millions? Ah mais ça c'est nul par contre ça Black, ça c'est nul. Ça c'est vraiment une grosse connerie.
faire moyen de me filer un peu de flux si tu veux que tu dépannes aussi. Et bon, ça tu peux me dépanner. Je sais pas en quoi, mais. J'ai plus de flux moi. Je suis à 1 000 000. À peine. Je te pépon quoi. Oh non. Je dis pas, j'ai déjà fait filer du flux pour des nudes, mais quand même. Faut pas me prendre pour une pute non plus quoi. En plus il est là. Le beau mannequin, il est là parmi nous en plus. Le mec avec ce beau fessier que j'ai eu la chance de voir, il est parmi nous ce soir. Quelle star cet homme. J'avais pas dit que c'était toi, mais tu viens de te griller tout seul, Black. Bah bravo. Bravo, il s'est grillé tout seul. Ça aurait pu être Médoc, ça aurait pu être Breton, ça aurait pu être n'importe qui. En disant chute, tu t'es grillé tout seul. Mon seul revenu, c'est de vendre les coffres d'aventure. Et la Nitro, t'en as fait quoi? T'as déjà tout vendu, la Nitro? Moi aussi, je veux voir ton joli boule. Y'a Médoc qui veut voir ton boule. Moi, mon boule, il est pas terrible. Bah, il est pas forcément vraiment très musclé. Il doit avoir des séquelles de quand j'avais quelques clés supplémentaires. Et en plus ça, je suis très poilu. Donc bof. Bah oui, voilà. Bah oui. Porto. Espa. Je suis pas Porto, je suis Espa. Ah ouais, poilu, c'est pas bon. Ah bah après je suis un homme, hein, je suis pas... Je suis une bête à poil. My name is Jean-Pascal. Faut raser à blanc. Faut raser... Pourquoi je raserais à blanc? Pour te faire plaisir. Je vois pas pourquoi je te ferais plaisir. Tu rases le tien à blanc si tu veux. Mais le mien, il reste à mon image. Bien poilu. Et puis après, pour avoir des poils de cul dur, c'est pas la peine. Vu que je les ai jamais touchés, ils sont tout doux. Mais je pécho déjà comme Jaja, j'ai pas besoin de ça. Je pécho quand je veux, moi. Y'a pas de problème pour ça, t'inquiète pas. Bah. Mais vu que je suis pas pour pécho, juste pour pécho, ça m'intéresse pas. Avec tes flux. Non, non, non. Non, il existe des applications pour ça, hein, pour pécho. J'ai encore pécho avec la semaine dernière, tu vois, donc. Et d'ailleurs, c'est devenu un bon ami, il m'amène au ciné demain soir. C'est un gentleman. Ouais, mais t'as un compte Tinder, ouais. T'es aussi que t'es gay? Bah oui, je suis gay. Aïe, aïe, aïe. Il se réveille que maintenant, ouais. Et gay, ça s'écrit avec un Y, pas avec un I. Hein. Ah. J'en peux plus. Moi, je suis un gay gay, ouais. Si vous préférez, je suis un gay gay. Ben, ça dépend des moments, ça dépend, comme je te l'ai dit, comme tu le sais, des moments où je suis en dépression. Bon, moi je vais aux toilettes sur ce. Donc si vous venez d'arriver, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à discuter, à poser des questions, ou même encore à follow, ça fait toujours plaisir. Je reviens.
Me revoilà, me revoilà. Aïe, je me... Ah putain. Je me nique l'épaule à chaque mois. Bon, ben. À tout à l'heure, Breton, à tout à l'heure. C'est crade. Plus que 48 l'ortigold. Ah bah c'est pour bientôt ça. Mais arrête de taper dans le vide toi. Mais pourquoi il tape là? Ah c'est bon. Ça tapait tout seul. Le monde diode c'est bien pour XP. Il faut que tu suives le level des portails. Médoc. Donc je sais pas t'es quel level. Mais ça sert à rien d'aller trop vite trop. Bah 24. 24 tu devrais être. Tu devrais être en U7. Bah mais t'es pas bridé au moins. Si tu vas trop haut, t'es bridé en fait en XP. Et les quêtes, c'est pas mal. Après tu peux faire les quêtes des donjons 5 étoiles en U8. Hein. Ça te permettra de gagner pas mal. Simple, bah, c'est pas une question d'être simple ou pas, c'est une question qu'il faut que tu XP quoi. Bah, c'est soit tu vas en U7 normal et tu prends toutes les quêtes de tous les biomes. Tu cherches un avant-poste et tu prends les quêtes. T'as une quête par biome. Je me demande si on n'irait pas en Delve. Étant donné qu'on peut faire tomber des portails après la mage dans les boîtes de caisses sous pression, je me demande si je vais pas fermer des caisses sous pression du coup. Pour après la mage. Ça pourrait être un bon compromis. Salut Dizox, comment vas-tu? Bonjour, bonjour. Ah ouais, mais c'est parce que je sais vendre le jeu, sûrement. D'une certaine manière, je vends le jeu en allant vite comme ça, avec la musique et tout. Ça, c'est toujours mieux de regarder que de jouer soi-même. Par contre, si je pars pour farmer des caisses sous pression, je vais partir en 90 à peu près. Et l'homme, il faut surtout. Ah, c'est gentil ça. Mais bon, là, la barbe, elle commence à être un peu longue. Semaine prochaine. Hop, barbier, direct. Je pense que le mieux, Médoc, c'est de faire un check-up sur ton compte, mais t'as énormément de choses à faire. Hein. Déjà, il faut que tu montes level 30 dans tous les cas.
Il va où lui? Pas où il allait, mais il allait. Hein. Est-ce que ça intéresse les gens d'aller en Delve 90 120 à peu près? Donc dans un premier temps on n'aurait pas de C4, mais on irait un peu vers du C4 après. C'est principalement pour fermer les caches sous pression pour après la mage, pour avoir les nouveaux portails qu'il y aura dedans. Je crois que je peux ouvrir en 87, donc ça sera rapide dans un premier temps. Merde, je suis con, c'est pas le bleu. Oh, c'est le vert. Je suis trop con. Moi. Bah, je lance et je vous invite dedans. Bah, heureusement que je suis habitué à celui-là maintenant, c'est bon. Et il m'a fallu quand même 3 mois pour être habitué à ce putain de papillon. 3 mois. Hop. C'est ça, 87. Je vous invite dedans, les amis. Je vous invite dedans. Je vais sûrement probablement m'endormir avec ton stream. Et moi, je vais probablement m'endormir en toi, Black. Oh, c'est dégueulasse. Non, 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 c'est bon, je suis habitué maintenant, je suis habitué à l'Isoc, c'est bon. C'est juste que bah pour chaque papillon, il me faut, un temps d'adaptation, enfin un antidote, quoi. On va dire ça comme ça. Et celui-là, bah, vu qu'il était tout le temps utilisé en Delve, bah, j'ai pas eu le choix, enfin, naturellement, que de coltiner. Et donc, du coup, d'être obligé de le supporter. On devrait aller assez vite au début. Ah ouais, c'est hier là quand je jouais à Super Smash Bros. À un moment donné, Bayonetta. Ouais, oui, bah de toute façon, il faut un runner, disons. Bayonetta, à un moment donné, où je la revois dans le vide et qu'elle veut revenir sur le plateau, elle sort des ailes de papillon. Ah, j'ai flippé, je l'insultais de tous les noms. Ah bah, elle est super cette Delve, dis donc. Sérieusement, tu es si mobile. Et c'est une cassée la cour. En fait, je suis rien parce que tu vas sûrement les tuer sur le passage, en fait, les mobs. Mais non, il a le jeu en FR. Oui, oui, je l'ai pas sur FR depuis cette année ou depuis le mois de mai de cette année. Donc c'était assez drôle après 5 ans et demi de passer le jeu en français. Parce que je suis arrivé sur le chat FR, il y a des gens, même des gens qui sont devenus orange, qui me connaissaient pas, ils se sont fait « mais tu sors d'où toi ?» C'était drôle.
monolithe. On a raté le 6. J'y vais. Oh putain, comment on peut rater le 6 quoi? Débile qu'on est quoi. Je suis sûr qu'on est tous passés à côté comme un con. Ouais, il est là en plus. Ah ouais, il était un petit peu en retrait donc. Voilà, on a eu 8 caches. Très bien, on a des caches. C'est ce que je veux moi, des caches. Des caches sous pression. Qu'on va stocker pour après la mage. On va essayer de faire tomber le plus de portails. Ça évitera qu'on en achète parce que ça risque de coûter cher les premiers jours. Tuer 3 créatures, mais c'est une blague. Vas-y, je fais rien. Je fais rien, vous allez les tuer en renant, c'est obligé. Petit coup de barre. Ok. Faut juste runner en fait. Ah les delves des fois c'est ça te surprend comme ça, c'est un truc de dingue. Y a rien à faire quoi. Heureusement qu'on a un runner, hein, parce que sinon ça mettrait plus de temps. Je crois que je vais me mettre en DPS. Hein. C'est mieux. Je passerai en SH quand on sera en 114+. En casser la cour. Hein.
Je suis là pour faire beau. Bah, tu sais, j'ai un peu l'impression que c'est la même chose pour moi, hein. Tu sais, je suis pas grand chose. Le boss, le boss, il est dès la première salle en plus. Voilà. Voilà, c'est bon, c'est fait. Il y a des moments comme ça où on a l'impression qu'on ne sert pas à grand chose. En même temps, c'est des très petites dalles. Hein. Mais bon, moi je sais que je serai là pour le DPS après, donc ça va. Si on va jusqu'en 120, 122 ou un truc du genre. Je sais pas du tout en combien on va aller exactement. 122 ou 123, je crois. On aurait pu choper le biome. On aurait pu choper le biome. Me dites pas qu'il y en a un de vous qui a eu le biome parce que je pétais un steak. Hein. De toute façon, on est trop bas pour avoir du C4. Alors, ouais. Un talisman de corgi. Le memento du biome cassé la cour. C'est un qui me manque. D'ailleurs, faudra qu'on le farme après la mage. Mais encore une fois, je sais même pas pourquoi j'avance. C'est exactement encore la même. Laisse-moi briller. Je brille. Ça va, tu t'ennuies pas trop d'Isaac? C'est le feu de Dieu ou pas? Avoir de memento hein, pour le moment. Elles ont été un petit peu changées hein, récemment les delves. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, maintenant ils ont, il y en a beaucoup moins maintenant. Comme tu as pu voir, il y a même des delves où il n'y a pas de mob alors. Bon, en vrai, je vais attendre. Hein. On l'avait même pas encore testé ce nouveau trône. Voilà le trône qui coûte 15 millions. Que j'ai acheté 15 millions. C'est un trône quoi. Principalement, ouais. Principalement, ouais. Après, t'as l'anneau aussi. Bah, ouais, c'est ça. La moto à 10 millions. Salut Biolicoff, comment on va? Ça, ça tombe pas les mementos. Hein. Ça ferait des matériaux de craft là, ça serait cool.
Écoute, ça va, tranquille. Bon, bah d'accord, j'ai compris. Écoute, ça va. Quoi de beau, Biodigruff? Toujours aussi gay? Lol. La pinata, la pinata, la pinata. On n'a pas eu grand chose. On n'a pas eu grand chose dans cette delve. Donc les prochains mois après la mage dans les passages subnautiques, les mobs pourront looter les nouvelles boîtes en question. Dans lesquelles il y a de la free range, donc la grosse nourriture. Et il y a aussi 4 allies et une nouvelle monture dedans. Tradable. Et du coup, on aura 6 x 5, 5, 30 boîtes par semaine. Mais on peut avoir des boîtes en farmant ici. Dans le subnautique. Ça va être plutôt pas mal, donc ça, il va falloir vraiment que j'oublie aucune semaine, parce que là à la limite je pouvais rater une semaine de delve, c'était pas très très grave, j'ai énormément de ressources. Et maintenant avec les nouvelles boîtes là, il y aura des nouveaux concours et tout, donc casser la cour. Bah après la mage, il y a forte chance que je ferme un peu les dalles, ouais. Il reste un mob que j'ai pas dans casser la cour. Est-ce que tu savais que l'animation la plus rapide pour lancer des bombes, c'était le Néon Ninja qui l'avait? Tous les autres persos, c'est plus long. Mais tu balances plus vite. Je vais à Memento.
que j'ai déjà. Ouais, c'est le Néon Ninja qui a l'animation la plus courte pour lancer les bombes. Ouais, elle est horrible à casser les cours. À casser la cour. Tuer une invocation. C'est un mob qui peut invoquer des tourelles. Donc logiquement, dès que tu arrives près du mob, il y aura une tourelle, quoi. Bon bah, tu l'as trouvé. À faire tomber du cristal, cool. Ah, collecte minerai, bah tu vois, ça, on était en train de le faire. C'est quoi déjà la meilleure façon d'avoir des coffres déjà? Les coffres de quoi? De quel coffre tu parles, Biodicroche? Pour l'événement, mais il y a plus d'event là. Tu parles de quel event? Il n'y a pas d'event en cours, Biodicroche. Et si tu parles de l'événement d'anniversaire, c'est dans le médiéval, donc c'est d'aller en monde des noobs. Mais l'événement n'est pas encore là. Et puis il existe un mob aussi qui un mode qui permet de pinguer les piñatas qui tombent. Chelou sous le spawn du dragon d'or. Ah ça, bah quoi? Ah la face, les chaos chests, tu parles des chaos chests du coup. Bah les chaos chests c'est à peu près un tous les 10 minutes en faisant des donjons. Donc après voilà, c'est pas. Pas vraiment de manière plus facile ou quoi de faire ces. Just for a moment.
T'as pas de patron. Ah oui, effectivement, ça risque d'être long. Divisox. Mais moi, il devrait pas tarder à partir, je crois. Donc si vous venez d'arriver, soyez les bienvenus, n'hésitez pas à discuter, à poser des questions, même encore Apollo, ça fait toujours plaisir. Donc je tiens à signaler que demain, il n'y a pas de stream, les amis, pas de stream demain, logiquement, je dis bien logiquement, donc restez attentifs quand même, mais logiquement, demain, pas de stream. Oui, demain, je suis de sortie, les amis, demain, je suis de sortie. Puis Médoc, c'est quand la reprise là que je sache quand est-ce que je te verrai plus du coup? Surtout en plein après-midi quoi. Mais tu me vois tout le temps. Ah mais je te verrai moins à partir de la rentrée, non? Ok, mais je risque d'avoir peut-être deux horaires de stream en septembre. Peut-être reprendre un peu un rythme un peu plus soutenu. Pas grave, ça te ferait un stream en rediffusion si tu veux. Ce sera pas forcément que du trove par contre. De toute façon, là on risque vraiment de pas lâcher Trove, mais faire énormément d'autres streams que Trove, quoi. Énormément. Parce que on a pour projet de faire pas mal de choses. Même à Noël, on a un projet, on a Lost Ark à faire. Donc si à Noël il n'y a pas grand chose à faire sur Trove, on sera principalement sur Lost Ark. On peut se permettre de faire ça parce que sur Trove, on n'aura plus besoin de farmer autant. À part s'ils viennent à nous sortir une putain de grosse mage et que là du coup... Mais on peut se permettre d'avoir un autre MMO à côté. Et vu que c'est un MMO à hack and slash que j'attends depuis très longtemps, on fera du Lost Ark. C'est un jeu de quoi? Bah, tu connais Diablo ou pas? C'est un hack and slash avec autant de classes qu'un MMORPG. Vu du dessus. Ah, c'est vu du dessus.
avec un personnage que tu dois équiper et qui évolue en level, mais il y a énormément de mobs. Énormément de mobs. Un Anakin Slash, c'est énormément de mobs. Après 3 sorties. Ouais, c'est pour ça que je te dis que. De toute façon, il est précommandé, plus ou moins. Enfin. Il sera gratuit, le start, il sera gratuit. Donc tout le monde pourra jouer, donc on pourra tous aller dessus si nécessaire. Il n'y aura pas de problème. Sauf que moi, je l'attends depuis un petit moment, donc du coup, j'ai pris un pack fondateur. Voilà. Le jeu, je sais ce qu'il vaut. Je sais que c'est un très bon jeu. Donc de ce côté-là, voilà. Après, on aura Pokémon aussi. Après, en janvier, on aura Pokémon Arceus aussi à faire. On a énormément de quoi s'occuper. Là, pour la fin de cette année et le début d'année prochaine, on a vraiment de quoi s'occuper. Bon, c'est sûr que ça va faire pas mal de frais. J'espère que je vais avoir des donations, des bits ou des subs ou des trucs comme ça qui vont permettre d'amortir un peu. Parce que sinon, on va pas pouvoir. On va pas pouvoir tout faire. Pour le moment, ce qui est sûr, c'est Pokémon en novembre et Lost Ark à Noël. Ça, c'est sûr. Mais ça va, voilà. Pourquoi tu mets jamais de pub? Comment ça, mais je mets jamais de pub? Les pubs de quoi? Quelqu'un qui a pas appuyé là. Tu sais que tu peux mettre des pubs. Ah oui, des pubs, mais c'est parce que j'y pense pas forcément et je vais pas forcément dans le panel à chaque fois. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est pas quelque chose qui est automatique pour moi. J'ai pas vraiment de bouton raccourci pour le faire. J'utilise pas le. Donc du coup, je le faisais, je l'ai fait, je le ferai certainement de temps en temps, mais c'est pas automatique, tu vois. Après, il faudrait aussi que j'améliore le stream. Par exemple, il faudrait que j'ai un stream deck. Le jour où j'ai un stream deck, c'est bien ça. Avec le stream deck, j'aurais juste à appuyer sur une touche et ça pourrait envoyer les pubs, par exemple. Là, ça sera préférable quand je vois qu'il y a plein de monde. Là, je fais, allez, on fait une petite pub où je vais pisser. Bam, j'appuie sur le bouton, ça balance des pubs. Mais bon, faut faire encore des frais, quoi. Un petit stream deck. Donc, c'est soit j'achète des jeux pour la chaîne pour pouvoir streamer d'autres choses que Trov, soit j'achète du matériel pour améliorer le stream. Mais au pire, tu regardes sur internet pour Lost Ark. Alors, en fait, il faut savoir qu'il est attendu en Europe depuis très très longtemps, mais il n'y avait pas de boîte qui voulait le prendre en charge. Et là, il y a Amazon Game qui a décidé de le prendre en charge. Donc ça arrive le 31 décembre ou le 30 décembre, plus ou moins la période de Noël. Mais ça peut arriver avant, ça peut arriver avant. Mais sinon, elle existe déjà en version Europe de l'Est et en Corée. Pas en Corée, en Corée... Si, en Corée. En japonais, pardon. Et toi alors?
quoi, moi alors? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Bialikrosh? Et moi alors? Bah figure-toi que le plus de personnes que j'ai, c'est avec Dizox, c'est avec le Trove. Hein. Hier, j'ai fait du Super Smash Bros. Ben, il y avait quelques personnes, mais c'est pas trop ça, quoi. Dès que je change de jeu, les gens sont plus forcément là, quoi. Ta vie, il faut que t'en occupes. Bah justement, j'ai pas énormément de vie, Bioticrush. Justement, c'est pour ça qu'il faudrait que je m'occupe un peu plus. À part mes rendez-vous médicaux, j'ai rien de fameux dans ma vie, Bioticrush. Je prends soin de moi et j'essaie de guérir. Là prochainement, je vais bientôt changer de traitement, donc il va falloir que je me repose sûrement. Mais en attendant que j'ai pas de travail ou d'occupation principale, le stream peut être une bonne alternative. Faut pas que je le lâche, faut que je continue de faire ça. Surtout que ça peut ramener un peu de temps en temps un peu d'argent, un peu de soutien. Bah aujourd'hui on a quand même eu 600 bits, aujourd'hui, on a eu 600 bits et 3 euros, hein. Rien qu'aujourd'hui. Salut la goutte de LSD, comment on va? J'espère que tu vas bien. C'est compliqué d'avoir beaucoup de jeux. Bah si vraiment je peux pas avec Lost Ark, je l'ai pris en précommande, je pourrais annuler ma précommande. Je pourrais l'annuler. En fait, faut savoir que là il y a Pokémon Diamant et Perle qui vont sortir en remasterisé. Moi je les connais pas ces jeux, je les ai pas joués. J'ai pas joué à ces jeux. Donc du coup, ça va être une nouvelle expérience pour moi. Donc j'ai pris les deux jeux, parce que voilà, je me dis que s'il me manque des Pokémon ou ce jeu...
Ah d'accord. Bah c'est gentil, c'est gentil. GG, Tissox. Bah oui, mais Doc, mais comment dire? Moi, j'aimerais que quand je joue, que maintenant qu'on se connaît, tu fais partie de la communauté, mais Doc, que si je viens jouer à notre jeu, tu viennes me soutenir parce que c'est dur en fait. Dès que tu changes de jeu, si tu pars du principe seulement tu vas voir un mec parce qu'uniquement il joue sur un jeu, c'est que tu viens pas voir le mec, tu viens voir justement parce qu'il voilà, t'as plein de questions à lui poser. En fait, si tu penses comme ça, Médoc, c'est que tu m'utilises quelque part. Tu m'utilises comme wiki. Tu vois? Et là, comme il vient d'expliquer LSD, il joue même plus au jeu et malgré tout, il est là. Donc ça, c'est déjà un peu plus respectable, tu vois. Après, je juge pas les gens. Mais... Oh putain, j'arrive pas à me calmer, j'arrive pas à me calmer. J'arrive pas à me calmer. Je vais pas être blessant dans ce que je dis non plus, parce que bah du coup, Médoc, t'es souvent là en ce moment, donc. Mais est-ce que c'est pas uniquement parce que je joue à Trove, tu vois? C'est compliqué. J'aimerais bien décoller un petit peu, pas forcément devenir une star, mais dis-toi que j'ai réussi à avoir une chaîne avec 2000 follow. Et j'arrive même pas à décoller des 20 viewers, quoi. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose quelque part. J'arrive pas à me calmer, putain. Ah, ça me saoule. Désolé pour les cristaux, je m'en occupe. Il est chiant cet objectif, il est chiant. Donc en vrai, si tu changes de jeu, ça peut être ou non. Ouais, bah hier soir, j'ai pas eu l'impression de me faire beaucoup plus de follow, hein, mais bon. Tu sais, ce qui m'a fait avoir le plus de follow, c'est quand il y a eu les Twitch drop. Hein. Donc ça, les Twitch drop, ça m'a fait faire des follow. Par dizaines, mais je sais que c'est pas des follow respectables dans le sens où c'était quasiment que des anglais, je pense. Allez, allez, là. C'était chiant là. Attendez, je vous lis après. Ça m'arrive d'aller sur Twitch pour toi. Bah c'est gentil, Biodicroft, ça me fait plaisir. Non mais je te dis que je t'ai découvert grâce à Trof. Oui, tu m'as découvert grâce à Trof, c'est sûr. Après, c'est normal d'avoir des appréhensions sur la connue. Mais ouais, mais c'est pas des appréhensions, c'est que j'essaye et moi-même, des fois, j'ai envie de changer de jeu. Mais très vite, j'ai envie de revenir sur Trof parce que... Bah, il y a un peu la solitude aussi, je pense, des streams. Mais voilà. Je pense qu'il faudrait peut-être, à la limite, être en vocal avec une personne quand je suis pas sur Trof. Parce que je sais pas si... J'arrive pas forcément à combler autant. J'ai l'impression de ne pas donner le même rendu sur un autre jeu parce que je découvre. Tu vois, je peux pas donner le même rendu sur un jeu que je connais que sur un jeu que je découvre. Mais quand tu pourras sur Lost Ark, peut-être que tu l'as. Ouais, c'est sûr que Lost Ark, je l'attends tellement que... Et puis je serai certainement avec des potes, peut-être même en vocal, en groupe et tout. Il y aura de quoi faire, il y aura de quoi faire.
Y a pas de mec à voir à la recherche de skin. J'ai pas trop compris. Bien, on fait un let's play sur The Forest. Ouais, The Forest, d'accord. Je n'ai pas déjà le jeu. Après, c'est normal que je te pose moins de questions car je connais pas le jeu et la plupart du temps je découvre en même temps. Non, mais tu prends ça comme une offense, Médoc, mais c'est pas. J'ai rien contre toi. Rien contre toi, et je sens que t'essayes de te racheter dans ce que tu dis, mais c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé. J'étais un petit peu dans l'émotion, mais. Voilà, hier soir, bon, c'était drôle hier soir, on s'est bien amusé. J'arrêtais pas de crever, évidemment, parce que moi, dans un jeu de baston, voilà, c'est un jeu de baston, quoi. Mais j'aime bien parce qu'il y a un bon mode histoire sur du coup, et ça j'ignorais qu'il y avait un bon mode histoire sur Super Smash Bros. Et puis repartir sur la Switch, ça m'a fait du bien aussi. Voilà, on va jusqu'en 120 à peu près. On aura fait quand même pas mal de boîtes, hein, semblant de rien. Ah ouais, bah putain, GG. Le jeu te récompense d'avoir été absent. Mais voilà, c'est pour ça, je vous dis, j'ai plein de projets de jeux. Oui, j'en ai écouté une la fois dernière. J'aime bien, ça va. Je sais que t'aimes pas les musiques que je mets, la goutte de LSD. Mais bon. On essaye de mettre des goûts pour tout le monde et surtout des musiques libres de droit parce que. Bon, surtout une playlist où j'ai pas besoin de m'en occuper, surtout. Ça, c'est mieux encore. Ça c'est le must. Pas de droit, playlist, autoplay et hop. Mais là j'ai envie de faire une dépense là. Je sais pas ce que ça va donner, c'est un hack and slash aussi, mais bon, s'il me plaît et que après Lost Ark qui sort, j'aurai deux hack and slash du coup. Il est sur Epic Games, c'est Space Punk. Et il a l'air d'être bien aussi. Il est à 40 euros, je crois. Est-ce que j'ai 40 euros à mettre à la fin du mois là, alors que je sais que je suis déjà un petit peu dans le rouge? Pour essayer de vous faire changer un peu de gameplay. Comme ça, on aurait 3 jeux à la limite en ce moment. Super Smash Bros. Non, on a Zelda aussi, mais Zelda, j'ai du mal à m'y mettre. J'ai vraiment du mal, j'arrive pas. J'arrive vraiment pas. Ah, lui, il m'a vraiment pris pour un wiki. Il me dit même pas salut le mec et il me pose une putain de question en MP sur le jeu. Mais tu m'as pris pour qui, gars? Sérieusement, quoi. Bon, je stoppe à la prochaine. Tu peux pas aller jusqu'en 120? Donc tu t'arrêtes à la prochaine grosse boîte du coup, c'est ça? Sérieux, il y a encore.
Il va me la poser en boucle. Combien de ampoules qu'il nous donne dans une graine de récolte? Je comprends rien en plus à sa phrase. Je comprends pas. Je comprends pas sa phrase. Bah alors tu galères, Médoc? Wow, tu aimes pas? Non, j'aime pas. Je sais que c'est un très 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 bon MMO, mais l'univers me plaît pas, en fait. Bon bah, on sort là du coup, Dizox, c'est ça? Vu que c'est lui le runner, bah... Non, non, bah non, on va s'arrêter là. C'est surtout que sans runner, c'est chiant, quoi. Je peux runner, mais il faut que quelqu'un fasse les dégâts, et à ce niveau-là... Médoc, faire les dégâts... Voilà. C'est pas contre toi, Médoc, hein, mais bon. Ah bah d'accord, Médoc, il se casse. J'ai dû me mettre en DND parce qu'il arrête pas de m'inviter en ami et tout. C'est une blague. Alors on va fermer encore pendant 15 minutes. Juste pour le dire de se détendre un petit peu. Ça me détend vraiment de... me fait goumer. Tu vas aller sur Discord? Ouais, peut-être un peu après, ouais. Ouais, ouais, j'ai besoin de parler un peu là, j'ai besoin de vider un peu la tête. J'ai essayé de me retenir, mais c'était dur hein, ce soir, c'était dur. Beaucoup trop d'émotions et d'appréhension sur les... Vous voulez que je vous montre le jeu qui me fait de l'œil là? En fait, pas de nouvelles des anciens du club. Pas Calou, non, malheureusement, j'ai plus trop de nouvelles. Il y a Critopsy qui est revenu, Sufo, si tu préfères. Sufo revient. Il manquerait plus que Shinokami. Mais bon. Pour le moment, c'est pas le cas. Mais il y a des gens qui reviennent là. Donc demain, il y a forte chance qu'il y a. Untech qui va streamer sur Trove, bah c'est Sufo, donc c'est un ancien de Phoenixor qui est revenu. Donc vous pourrez aller le voir dans l'après-midi normalement. Il stream peut-être dans l'après-midi. Donc je compte sur vous demain après-midi pour aller le voir. Untech. O-U-N-T-E-C-K. Mais allez le voir demain, allez follow demain, pas maintenant. Faites-le quand il est là, ça lui fera plaisir. Il vient de reprendre, il est un peu perdu. Pourtant, il a un bon compte et tout, hein, quand même. Mais il est un peu pauvre. Je finis le donjon 5 étoiles et je vous montre le jeu qui me fait un peu de l'œil sur Epic là. Et puis, on va pas tarder. Bah, GG, disons. Vendre encore 8000 hachures poisseux, mais après il va falloir que je me calme parce que voilà. Bah, allez, on fait Alt F4 du jeu, on va sur Epic. D'ailleurs, avant jeudi prochain, il y a les jeux gratuits à prendre sur Epic. On va prendre les jeux gratuits, je les ai oubliés cette semaine. Je sais pas ce que c'est.
Ah, tu l'avais déjà, mais tu savais plus ce que c'était, d'accord. Me tire des poils de barbe. Je fais ça quand je suis trop stressé maintenant. C'est une nouvelle lobby chez un nouveau lobby chez moi, c'est que je me tire des poils de barbe quand je suis trop stressé. Synthro Remastered. Gratuit. On va le prendre. Hein. Je sais pas si c'est le jeu de la semaine, mais. On va aller voir si c'était ça. Ah, il y avait Synthro et Automachef. Il a l'air bien ce petit jeu. Je sais pas ce que c'est, mais il a l'air sympa graphiquement. Mais bon, c'est pas ça. Hein. Ça, c'est les jeux de la semaine dernière. Parce que ça va changer là jeudi prochain. Ah bah non, on n'a pas eu. Attends, on est vendredi. J'ai raté les jeux de la semaine dernière du coup. C'était quoi les jeux de... Oh non, j'ai raté les jeux de la semaine dernière. Oh. Fais chier. Bref. Bref, bref, bref. Hop. Alors c'est quoi? C'est Space Funk. Space Punk. Bah non, c'est pas sur Epic. C'était pas sur Epic. Attendez, je vais chercher sur internet là parce que j'ai un doute. Je crois qu'il est pas encore sur le launcher. Je crois qu'il est pas encore sur le launcher. Voilà, il est là. Voilà, c'est un hack and slash. Mais attendez, on va mettre la vidéo. My name is Duke. Oh, and these maniacs? Just guy. Yeah, they're my friends. Voilà, c'est vu de dessus comme ça. C'est un hack and slash. Inspiré de Borderlands. Tu vois, t'as un perso, c'est vu du dessus. J'aime beaucoup ce genre de jeu, moi. Un peu à la Diablo, quoi. This is my morning routine. We crash and burn. To destroy such fine work, they should do the trick. Je kiffe. Nice and wait to die, surtout que c'est un peu à la Borderlands en plus. And the problem is gone. On a very important mission for... Ouais, sauf que c'est pas du LOL, c'est pas du MOBA, c'est pas par des chemins en fait. C'est des montres ouvertes. C'est vraiment un hack and slash, quoi. Bah, je sais pas si c'est des montres ouvertes vraiment. C'est des maps prédéfinies. Lost Ark sur Steam, sur Amazon, mais il doit déjà être sur Steam aussi, je pense. Dalmu, salut, comment on va? Malheureusement, le stream touche à sa fin, Dalmu. Donc voilà, donc c'était. Mais tu vois, on peut acheter. On
peut acheter. On peut acheter d'avance le jeu. Ah bah super. Ah j'adore faire ça. Merci pour le follow, Pitbull 900, ça fait plaisir. Mais tu vois, on peut le préco. Tu vois, c'est juste un axe, il sera gratuit je pense, hein. C'est con. Je sais pas ça. Prenez une longueur d'avance sur la concurrence avec le pack Swag, comprenez l'entrée anticipée. Les 4 personnages, le Battle Pass de la saison 1 et des objets exclusifs uniquement disponibles en accès anticipé. Tu vois, c'est juste en fait un pack fondateur. Mais du coup, il parle de Battle Pass. C'est quoi un Battle Pass pour vous? Il a l'air vraiment bien. Bah, de super récompense. D'accord. Donc c'est faut juste jouer pour finir le. D'accord. Donc c'est nickel ça. C'est nickel ce genre de jeu. On est d'accord. En plus avec ce style un peu Borderland, le fait que c'est un hack and slash. C'est comme ça qu'il jeu de tir et jeu de rôle. C'est comme ça qu'il désigne. J'ai vraiment envie. Je sais pas. Je fais quoi? Est-ce qu'on peut jouer tout de suite ou il va falloir que j'attende? On le trouve pas sur le launcher, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'on le trouve pas dans le. Regarde, on le trouve pas, hein. Y a pas en fait. Trop cher 40 euros pour un jeu comme ça. En vrai, attends. Check Steam. Bah on peut regarder après hein. On peut regarder le des notes hein. Space Punk. Il y a 4 persos pour le moment. C'est bizarre qu'il y a des persos. Early access. Je sais même pas s'il est bien, mais il a l'air bien, quoi.
puis 40 €, c'est quoi? C'est pas la mort non plus. Mon ex avait l'air bien aussi. On va décider de me faire pleurer, l'SD, c'est pas possible. C'est pas le moment de penser à mes ex, moi. Le pire, moi, c'est que je vais demain chez un de mes ex, moi. Parce que c'est devenu un bon ami, mais c'est encore assez frais et. J'ai un peu de mal encore à l'accepter, quoi. Mais voilà, Médoc, je vais te montrer ce que c'est Diablo. Si tu connais pas. Tu connais Diablo 3, Médoc? Non, mais je me doute que tu rigoles. Donc là, c'est un pur hack and slash. Donc on va montrer vite fait ça. Je change pas le titre, hein, c'est juste pour finir là-dessus. Et après, on arrêtera et j'irai sur le Discord pour ceux qui veulent après. C'est juste pour montrer vite fait à Médoc. Bon, on a fait quelques streams, on a fini la saison en stream. Le fait d'avoir enlevé tous mes poils, j'ai. Donc voilà, j'ai un perso. Hein. Tu peux avoir comme perso. Bon, tu vois pas tout parce qu'il y a ma webcam, mais il y a barbare, croisé, chasseur de démons, moine, nécromancien, féticheur, sorcier. Voilà. Salut Dizox, à bientôt. Donc moi, je joue principalement la chasseuse de démons. Donc tu commences une partie. On va ouvrir une faille qui ressemble énormément à une fouille. Du coup, à Trove, tu vas voir. Dans la taverne, Body. J'ai dit. J'ai encore des points à mettre. Donc tu vois, vue de dessus, comme ça, tu vois. Les hack and slash ont souvent une vue de dessus, comme ça. Donc après, une barre de compétences en bas. Là, une popo. Donc je te suis pas les compétences, hein, mais voilà. Donc après tu ouvres ici, faille supérieure. Ouvrir une faille en level 100. Donc tu vois pas, mais je suis en level 100. Hop, je suis accepté. Hop. Et voilà, je dois tuer tout plein de mobs. Pour faire grandir la barre à droite. Et pour faire apparaître le boss final. Voilà. Voilà, et j'adore les hack and slash. Dès qu'il faut tuer plein de mobs comme ça. Alors bien sûr, c'est très très dynamique, hein. Ah non, ça tire pas tout seul. Je maintiens le clic droit pour faire un de mes compétences, le clic droit. Après, le 1 c'est un boost de dégâts, le 2 c'est un buff, le 3 c'est un buff, et le 4 c'est un buff. Et principalement le clic droit et le clic gauche c'est mes compétences. C'est un build. Tu peux faire des différents builds en fonction de ce que tu veux jouer. Et donc du coup, bah, ça tire tout seul en maintenant le clic droit, quoi. Mais voilà, on va vite finir la faille. On est déjà plus de la moitié. Faut juste trouver des mobs élites. Je sais pas si t'as vu la différence, les mobs élites sont bleus ou jaunes dans le jeu. Et c'est ce qui fait avancer le. Plus le. Ah, on change de. Bon, la seule différence avec Trove, c'est qu'on peut changer de niveau. Et ça change pas de niveau, en fait c'est la suite. C'est comme prendre un téléporteur en Delphi. Voilà, c'est exactement la même chose. Ah là, il y a une élite. Voilà. C'est sûr qu'il faut suivre là. Hein.
Mais bon voilà, je joue seulement PvE sur Diablo. T'as des gens qui après ils push un peu plus dans les failles, ils veulent monter très haut. Un peu comme pour les Delphes, mais ça m'intéresse pas. Ah, c'est ces chasseurs de démons, ouais. C'est un nouveau build qui se joue Tourbillon quoi. En fait, mon clic droit répète avec le stuff et tout, hein, c'est un effet de set. Hein. Le clic droit répète le clic gauche. Donc quand je fais une fois le clic gauche, le clic droit le répète derrière. Donc c'est complètement pété en fait. Et c'est à 40 000% de dégâts au plus, je crois. Voilà. Ah, le gardien est là. Donc il est là, le boss de Faille. Enfin, il était là. Et voilà, et à la fin, bah ça nous tout. Ça c'était une faille supérieure. Tu peux faire une faille normale. Je n'ai plus de place. La faille normale, tu lootes un peu partout quoi. Je m'appelle Ursule et j'ai mal au cul. Bon là je monte des gemmes, qui permet d'avoir des statistiques en plus. Mais voilà, rien d'extraordinaire en soi. Voilà. Et après, il faut parler au PNJ pour la fermer. Voilà. Et ça donne de l'XP et plein d'objets, comme tu peux voir, des légendaires. Avec un effet stylé. Voilà, ça c'est un effet de set. Les objets verts, c'est des trucs de set. Ou sinon, bah après, t'as. Voilà, voilà. Mais toujours pas mis à jour ce jeu. Bah il y a des saisons. À chaque fois au début d'une saison, il y a des objectifs à faire ici, tu vois. Il y a tout ça à faire. Et ça donne des portraits à droite. Donc on va dire que c'est plutôt ça les mises à jour comme ça. D'abord tu gagnes ça. Et si tu fais tout, tu gagnes ça. Voilà, voilà. Par contre, je me rends compte quand même que le chat est un peu gros. Faut que quand même que je règle ça. Voilà, c'est un peu plus raisonnable là. Ça va comme ça, c'est pas trop petit le chat. J'ai réduit un petit peu le chat. C'est good. Bon ça c'est pour Trove, hein. C'est l'interface de Trove ça. Hein. C'est pour ça qu'il faut pas trop se fier à la caméra parce que... Voilà. Bon du coup c'est dommage hein, pour Epic Space Punk là. J'ai vraiment envie. Il faudrait vraiment que je trouve 40 euros quoi. Mais bon. Je sais pas c'est quoi ce petit jeu. C'est un jeu de simulation, d'accord. Automa Chef. Sûrement pour faire des légumes ou un truc du genre. Bref, sur ce les amis, moi je vais aller sur Discord. C'était un bon stream. Désolé encore pour le petit moment de petit moment de. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc je suis désolé. Donc voici. Le beau intermission. Il est pas mal l'intermission, non? Allez, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous dis peut-être, mais vraiment, il y a peu de chances que je stream demain. Mais si je le fais, ça sera que pour vos beaux yeux. C'était l'organe sur Trove et plein de petits trucs. Peace.
don't you think we got